Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode sur Jalopy. Donc tout d'abord, moi et Pépé, on voulait vous remercier pour tous les retours que vous avez fait sur la série Jalopy. Donc vraiment, merci à tous pour tous vos commentaires. Merci également pour les retours sur la série Empyrion, ça fait très plaisir. J'ai vu que ça vous plaisait beaucoup, ça tombe bien parce que moi de toute façon, Empyrion et Jalopy, c'est deux jeux que j'affectionne tout particulièrement en ce moment. Et regardez-moi ça, Pépé il a pas perdu de temps, il est déjà monté dans la bagnole. Donc vous vous demandez certainement pourquoi je recommence ici et pas où j'ai sauvegardé la dernière fois. Et bien pour la simple et bonne raison qu'à chaque fois que j'essaye de sauvegarder dans le jeu me dit clairement... Nique ta mère. Mais, regardez, c'est un truc de fou parce que ça sauvegarde ce que j'ai dans le coffre. Alors qu'est-ce que j'ai dans mon coffre aujourd'hui? Eh bien nous avons 1, 2, 3, 4, 5 boîtes de knacky. Donc ça c'est la base je dirais pour partir en randonnée avec Pépé. Oui car avec Pépé des fois on aime faire des petites randonnées. On garde la 5000 sur le bord d'un chemin et on s'en va faire une petite marche. Ça fait pas de mal des fois, il se détend un peu. J'ai une petite boîte d'huile, j'ai des boîtes de médicaments, j'ai un cri, j'ai un pied de biche. Et ouais parce que vous m'avez dit sur le bord il y a des caisses avec des cadenas. Et du coup ces caisses faut les ouvrir avec un pied de biche. Donc merci à vous pour les astuces que vous mettez dans les commentaires parce que je ne sais pas tout du jeu. Et faut dire que ça m'aide bien. Et ce qu'on va faire c'est que je vais charger quelques roues de secours. Si je pouvais en charger 3, ce serait excellent. Alors, est-ce qu'on peut mettre les 3? 1, 2, 3. Putain, la troisième, il me dit encore une fois... Nique ta mère. Qu'est-ce qui se passe au niveau du moteur? S'il y a des trucs que je peux changer ou quoi? Oula, putain, bah oui, mon vieux, il y a tout à changer. Bon, change le moteur, j'arrive. Ah, impeccable, mon vieux. Je vais faire un petit peu le plein de la bagnole. Hop là, impeccable. Je vais prendre de l'huile. Attendez, est-ce que je peux remettre de l'huile dans le coffre? Déjà, l'eau, j'en ai assez. De l'huile dans le coffre, de l'huile dans le moteur, je veux dire, qu'est-ce que je raconte, moi? Oui, parce que y a quelqu'un qui m'a dit, attention, Jolotte, tu devrais mettre plus d'huile dans ton moteur. Ça préserve le moteur. Et ben, j'ai envie de vous dire, c'est pas con. Est-ce que j'ai moyen d'emmener un kit? Par contre, le kit... Oh putain, le kit. Non, moi je prends le kit, y a pas moyen. Je vais virer les boîtes de knacky. Tiens, Pépé, veux-tu une boîte de knacky, mon vieux? Tiens, prends ça. Donc, il a eu sa petite boîte de knacky, il est content. On va virer celle-là. Pourquoi qu'il le range pas méthodiquement, quoi? Ah bah voilà, c'est comme ça qu'il devrait le ranger. Est-ce qu'on peut mettre le pied de biche? Yes, impeccable. Est-ce que je peux reprendre mes knacky quand même? Ce serait sympatoche. Alors, voilà, ça c'est bon. Ça, on va prendre ça, ça, hop. Est-ce que ça passe? Merde. Et ben voilà. Alors, impeccable. Je vais reprendre mes 2-3 boîtes de médoc qui traînent par terre. Je vais les mettre. Impeccable. Bon, bah là, par contre... Tiens, Pépé. Prends tes efferalgans, mon vieux. Allez, vas-y. Hop, avante. Quelqu'un qui m'a proposé... Putain, mais ferme-moi ça, mon vieux. Il y a quelqu'un qui m'a proposé dans les commentaires. C'est quelqu'un qui me l'a dit sur Facebook. Il m'a dit, mais dis-moi, Jolotte, pourquoi tu tenterais pas de cheater le jeu? Ouais, clairement, il m'a dit ça, quoi. Il m'a dit, tu devrais mettre ta bagnole entre la grille dans un petit commerçant pour éviter que la grille se referme. Je sais pas si vous m'avez bien compris, je l'ai peut-être mal expliqué. En fait, c'est mettre sa bagnole entre la grille et entre le portail, quoi, voilà, si je puis dire ainsi, pour éviter justement que ce portail se referme et en attendant d'aller dépouiller le magasin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être sympa. Moi, je dis que c'est pas si con que ça. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre les lumières avant de partir. Hop, ça, c'est bon, c'est fait. Ça, le réveil il est éteint, on va éteindre le petit lampadaire. 7h30, bon bah c'est la bonne heure. Très bien, petit calendrier, c'est bien cool. On va fermer tout ça. Ouh ça, est-ce que je peux mettre ça dans le coffre par contre? Bon, la bouteille d'eau, elle passe pas. Ce que je vais faire, putain moi ça me fait chier parce qu'à chaque fois j'ai envie de tout prendre, je vous assure. Si je pouvais rien laisser, je vous assure que si je pouvais remorquer une caravane au cul de la Sinkami, les foutre tout dedans, je le ferais direct. Voilà, je vais rentrer là-dedans. Il me dit, oui, il me dit, allez, vas-y, Aventi, on est parti, prends les clés. Alors oui, tiens, j'en profite pour rebondir sur ce que Pépé vient de me dire. Donc, vous êtes peut-être 3-4 dans les commentaires à douter de ma traduction quand Pépé me parle. Mais je vous assure que j'ai travaillé 5 ans chez Google Traduction. Eh ouais, mon vieux. Alors, Pépé, il approuve. Et les traductions, moi, ça me connaît. Donc cette fois-ci, je vous assure que je vais essayer de traduire mot à mot ce que Pépé va me dire. Donc là, ce sera les bonnes traductions, vous en faites pas. Hein, pour les 3-4... que ça horripile dans les commentaires. Tous les autres, vous aurez bien sûr compris que tout ceci n'est qu'une mascarade. Alors, ah bah oui, effectivement. Eh ouais. Il me disait, c'est pas en Allemagne qu'il voulait passer les vacances. Il me dit, dis donc, ce serait bien plutôt qu'on change de coin pendant les vacances. Et pourquoi qu'on n'irait pas faire un tour du côté de Noirmoutier, mon vieux? Eh bah ouais, Noirmoutier, ça pourrait être sympa, Pépé. Hein? C'est vrai, ça, j'y ai pas pensé. Alors là, traduction certifiée par Google Trad. Je vous assure que... il y a aucun souci. Il me dit, bah mon vieux, il me dit, tu commences bien, t'as déjà roulé sur quelque chose, qu'il me dit. Ah bon? J'ai roulé sur quoi? Attendez,
Pourquoi qu'elle s'ouvre pas déjà cette grille là? Hein? C'est certainement... Oh putain gars, oui j'ai roulé sur le réservoir mon vieux. Il y a des médicaments là. Des médicaments, des knackis. Ça passe là-dedans? Putain bah non, il y a plus... Ah oh, c'est pas vrai ça mon vieux. Mon pied de biche. Ah bah. Ah bah. Bah. Seigneur. Voilà mon vieux, impeccable. Ok d'accord, du coup la grille elle s'ouvre pas parce que j'ai pas choisi une destination. Donc je pense qu'on va se diriger vers Noirmoutier. Donc celle-là, il y a de la pluie sur la route, il y a 350 bornes, mais il y a une pompe à essence. Celle-là il y a 420 bornes, ouais on va prendre celle qui est avec la pluie, mais il y a moins de kilomètres. Allez ok, en route pépé, c'est parti, fais péter, on allume les essuie-glaces et... Oh bah putain, ah oui j'ai pas démarré. Ouh, y'a un essuie-glace qui fait à moitié la gueule, mon vieux. Et en avant pour les vacances à Noirmoutier avec Pépé, c'est parti! Il me dit, bah dis donc, il me dit, je suis content d'aller à Noirmoutier, mon vieux. Il me dit, bah ça fait peut-être au moins 10 ans que j'ai pas foutu les pieds là-bas. Y'a la mer qui me dit là-bas. Bah j'ai dit oui. Il me fait, bah dis donc, tu veux pas faire demi-tour parce que j'ai oublié la crème solaire à la maison, mon vieux. En plus, c'est celle senteur coconut qui me dit, c'est ma préférée, ce serait bien que tu fasses demi-tour. Ah bah Pépé, on n'a pas le temps, mon vieux. Là, fallait prévoir avant, hein. Eh bah tu foutras de l'huile de tournesol mon vieux, ça tient bien pour le bronzage ça alors, impeccable. Sinon bah tu foutras de la végétaline et puis j'y peux rien. Oula, attention, on arrive déjà dans le rond-point de la mort. Oh putain ça bouchonne déjà. Et là je peux vous dire que les aquaplanning c'est un truc de malade dans Jalopy. Regardez-moi ça, comment que ça avance pas, on va les doubler là. Allez hop là, regarde ça là. Hein. Tiens, queue de poisson mon vieux, bah vas-y klaxonne. Alors klaxonne, t'as raison, bouffe ta batterie. Salopard va. J'ai évité de tourner la tête parce que je vais faire du machin. T'as bien pris la direction de Noirmoutier qui me dit. Il me dit, ah non, attends mon vieux, il me dit c'est bon, j'ai la carte sous les yeux. Impeccable. Donc cette fois-ci, j'espère que ma traduction vous ira. Parce que, oh putain, parce que j'y travaille dur. Oula, oula, le drift de malade mon vieux. Il me dit, bah mon vieux, il me fait, ça va, tu gères bien les drifts, qui me dit. Bah écoute Pépé, ça va, disons que je me débrouille pas trop mal. Putain, je vous assure, les aquaplanning de malade. Regardez, eh, faut pas rouler vite. Bah vas-y, double, t'as raison, double. Je vais rigoler quand je vais te retrouver 150 mètres plus loin dans le fossé, vas-y, double. T'inquiète pas Pépé, on n'est pas pressé nous. Alors. Tiens, il me dit, regarde donc mon vieux, il me dit, on se doublait par tout le monde. Il me dit, y'a même un couillon qui double par la droite. Tiens, allume dans la radio un peu. Hop là, impeccable. Oh là là, les aquaplanning. Eh ben, mon vieux. Ça va, ça gère, vous inquiétez pas. J'ai fini tous les verralis sur PlayStation 1. Ça va gérer. Impeccable. Oh, bah, on arrive en ville. Bah, il était temps. Ah, qui me dit, regarde, je vois enfin le panneau de Noirmoutier, là. Ah, bah, ça fait du bien. Il me dit, tu sens l'air marin? T'entends les mouettes, qui me dit? Oh, j'ai dit, oui, un petit peu. Enfin, pas trop, par ce temps-là. Il me fait, dis donc, j'ai hâte de me foutre les pieds dans l'eau, moi, qui me dit. Ouais. Bah moi aussi, c'est pareil Pépé, j'ai envie de te dire. Putain mon vieux, les aquaplanning de malade. Il me dit, tu te souviens l'été dernier avec tata Janine et tonton Lucien, les vacances, comment que c'était bien? J'ai dit, bah oui Pépé. Il me fait, mais vas-y, mais arrête de doubler toi là. Putain, regardez-moi ça là. Regardez-moi ça, des gars comme ça qui savent pas conduire. On devrait leur enlever le permis mon vieux à ces gars-là. On devrait leur enlever le permis, putain. Et il me dit, oh merci mon vieux, mais j'avais pas besoin d'eau là. Eh ben je peux vous dire qu'on n'est pas arrivé à cette vitesse. Rah. Tiens Pépé, prends la bouteille d'eau mon vieux parce qu'elle me gêne là. Vas-y, klaxonne, t'as raison mon vieux. Putain mon vieux, il me dit fais gaffe, qui me dit, regarde là. Regarde ce couillon qui double, regardez-moi ça. Mais pourquoi il tient pas la route ma 5000 là? On va y aller tranquillement, on va rouler tout doucement. De toute façon on n'est pas pressé Pépé, hein. On va pas aller foutre le cul dans l'eau par un temps comme ça là. Si? Il me dit que si en plus. Eh ben mon vieux, eh ben ok d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Bah qu'est-ce qui arrive mon vieux? Bah il me dit, mon vieux tu conduis comme un âne. Il me dit, je préfère y aller à pied à Noirmoutier, qui me dit. Il me fait, attends, t'as failli nous tuer sur la rambarde de l'autoroute. Bah j'ai pas fait exprès moi. J'ai rien fait, mais il me dit merci en plus. Bah de rien. Bah Pépé. Et toi? Toi déjà tu vas pas commencer mon vieux. C'est quoi ça là-bas, y'a un truc rose? Hein? Tu vas pas commencer toi, t'as envie de doubler? Bah tu doubles mon vieux, vas-y, double. Eh Pépé, t'es sérieux là? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis et tout. Bah c'est quoi ce gros bug là? Eh hey. Ouais ça. Vous allez vous calmer derrière là? Recule toi déjà là, arrête de klaxonner comme un couillon là. Alors et toi là? Vas-y, putain, je vous assure que je vais me le faire, mon vieux. Je vais me le faire. Eh, Pépé, tu fais quoi, là?
Monte dans la bagnole, mon vieux, qu'est-ce que tu fous? Je vous jure, le jeu, il a bugué. Vas-y, monte dans la bagnole, là. Tu vois pas que ça klaxonne derrière? Mais qu'est-ce qu'il fout? Mais il est malade! Il est taré! Ta gueule! Mais complètement taré, il fait des étirements, mon vieux. Je vous jure qu'il a bugué, le jeu. Je vous jure qu'il a bugué. Hey! Bon, je crois que le jeu il a bugué. Très bien, alors me revoilà sur la route de Noirmoutier avec Pépé. Parce que là, HRP, comme on dirait dans le jargon, le jeu il avait complètement bugué. Alors si des fois vous entendez, il me dit, oh merci, bah de rien. Si des fois vous entendez des petites bousculades derrière ou quoi, des petits chocs, c'est tout à fait normal. C'est parce que, avant de partir, j'ai blindé le plus possible que je pouvais le coffre. Et vu que je suis un rapia et que moi je veux rien laisser par terre, tu vois ce que je veux dire? Et ben en fait il me dit, ah ben on est bientôt arrivé à Noirmoutier, mon vieux, qui me dit, regarde. Il me dit, ça sent pas la mer un peu là? Hein? Il me dit, tiens, c'est pas une crevette que j'ai vue là-bas au loin? Ah non, il me dit, c'était peut-être bien un crabe. Ouais, alors oui, vous voyez, voilà, par exemple, il y a une roue, c'est parce qu'en fait j'ai blindé la voiture. J'ai mis quelques trucs dedans. Bon ben, des fois quand ça me gêne un peu, je le remets derrière. Oula, doucement Pépé, ça va aller. J'ai dit garder le répar kit sur lui. Il a pris un seau. Il voulait à tout prix emmener le seau, mon vieux. Il dit, pourquoi que tu vas emmener un seau? Il m'a dit, t'occupe pas. Il dit, j'emmène. Oula, c'est quoi pas ici, mon vieux? Il me dit, donc ça a changé, Noirmoutier. Il dit, je me souviens pas de cette route, moi. Hein? Attends. Puis prenons ça derrière, mon vieux. Ta gueule. Ouh, tiens, regarde donc. Je vais m'arrêter là. Et... oh putain, t'as de la chance toi. Regardez, il me rentre dedans, c'est moi qui prends la pénalité. Putain, je vais me le faire lui là-bas. Attends-moi là, Pépé, je reviens, mon vieux. Regardez ça, mon vieux, allez, charger à bloc la signe Camille. Ah, j'ai réussi à mettre... alors j'ai réussi à cheater, j'ai mis 3 roues de secours dans le coffre. Ah non, il y en a 4. J'ai mis 4 roues de secours dans le coffre, mon vieux. Plus 2 dans la bagnole, j'ai des knackis, j'ai plein de trucs, mon vieux. Là, je suis pareil pour les vacances. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a donc là-dedans? Est-ce qu'il y a des pièces à récupérer? Ouh, bah regardez ça. Tout neuf ce machin là. Hein? Eh! Oh putain! Eh! Arrête-toi! Les gars, je suis bégué! Je suis. Putain, il est malade lui! Il est complètement taré! Il m'a fait bugger, mon vieux! Putain, mais regardez-moi ça, il s'arrête pas, les gars, quoi! Ce délire! Tiens, Pépé! J'ai trouvé un beau pot d'échappement, mon vieux. Tiens, prends ça. Je vais aller voir s'il n'y a pas un autre truc dans le coffre, peut-être. À l'arrière, est-ce qu'il n'y aurait pas 2-3 trucs Ouh, bah c'est... oh putain, de l'essence, mon vieux. Ça, par contre, je prends de l'essence. Ouais, ouais. Ça se ramasse. Tiens, Pépé, mon vieux, prends ça. Bon, bah, on est parti. Impeccable. Attends, par contre, je vais ranger un peu. Je vais réagencer la bagnole. Voilà, bon, bah, c'est parfait, mon vieux, alors. Hop. Frein à main. Merde, putain, il se fout avec le cric dans la main, moi. Oh, c'est pas vrai, ça. Allez, c'est parti. Il y a personne, impeccable. Eh ben, on est parti. Putain, mon vieux, j'ai l'impression qu'à peine avancé à Sin Camille. Il dit, oh, merci, qu'il me dit. Bah, de rien. De rien, de rien. Il me dit, je te revaudrai ça une fois qu'on sera arrivé à Noirmoutier, qu'il me dit. Il me dit, merci encore. Bah, de rien. Il me dit, oui, oui. Il me dit, on est bientôt arrivé, qu'il me dit. Mais oui, on va arriver. Putain, mon vieux. Merci, merci. Eh, Pépé, tu bugs, là. Pépé, t'es en train de bugger, là. Arrête, c'est bon, ça y est, on a compris. Il me dit, bah dis donc mon vieux, il me dit, t'en as mis des choses dans la bagnole. Ah bah, hé, hein, il me dit merci encore, qu'il me dit, hein. Ouais, bah ça va. Putain, bah il s'arrête plus de me parler, mon vieux. Attendez, on va allumer les phares. Il me dit, ah bah, il me dit, mon vieux, il me dit, il y a une caisse là-bas. Ouais, bah j'ai vu. On va aller la ramasser, bouge pas. Ah, bah, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Oh putain, mon vieux, pauvre Pépé. T'inquiète pas. Un jour, Pépé, j'achèterai un camping-car, on aura plus de place. Regardez ça, il a la tête coincée dans la roue. T'inquiète pas. Hé hey Dégage, toi. Dégage. Alors, laisse ma bagnole tranquille. Putain, mais ils sont malades, sérieux, là. Il a rien de se conflu. Putain, ils sont en train de défoncer ma bagnole, là. Dégage, là. Alors là, du café, mon vieux. Tu shoot avec du café, mon vieux. J'ai déjà le coffre, il est plein. Pépé, il a même plus de quoi bouger dans la Sin Camille. Regardez là, ils sont en train de péter ma bagnole là. Putain, ils sont malades. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est mort, mon frère à main?
Hein? Attends, je vais voir ce qu'il y a dans le moteur, il y a un truc qui est pas là. Putain, il me dit mon vieux, il me dit regarde ça, j'ai plus de place pour m'asseoir. Qui me dit je m'assois où moi? Bah monte dans le coffre, j'ai dit. Il est rentré en mode égyptien, j'avais l'impression là, je sais pas. Bon bah alors, il est tout neuf ce moteur, il a rien mon vieux. C'est rien ça. Tiens mon vieux, c'est pas vrai ça. Vas-y, vas-y, double, double, t'as raison, double. Vas-y, va te foutre en l'air. Je rigolerai quand tu seras au fossé. Il me fait tiens, regarde, même Pépé qui me le dit, il me fait tiens, hein, on va bien rigoler quand tu seras au fossé. Il me dit tu te souviens des vacances l'année dernière? Il me dit c'était bien hein. Souviens-toi quand j'avais un crabe dans la culotte, il me dit tonton Jackie, il arrêtait pas de rigoler, qui me dit. Ah bah oui. Et tata Morissette qui me dit qu'est-ce qu'elle a rigolé avec son homard à pleine gueule là mon vieux? Hein? Elle faisait que ça de bouffer du homard, elle toutes les vacances qu'elle me dit. Qu'est-ce qu'elle en a mangé, qui me dit. Ah ouais. Ouais bah ouais. Ah bah mon vieux putain, on dirait que je suis parti pour une brocante là-dedans. J'en ai des trucs à vendre dans la bagnole. Oh putain. Eh colle-moi pas trop au cul toi derrière là hein. Il va commencer à m'agacer lui derrière. Je vais essayer de trouver une petite supérette. Et c'est là qu'on va voir si ça cheat ou bien ça cheat pas. Alors là-bas c'est la frontière. Ouh bah tiens regarde donc. Alors voyons voir. Qu'est-ce que ça dit? Si admettons je mets ma bagnole comme ça mon vieux. Hein? Oh, putain mon vieux. Tiens Pépé prenons ça là. Mais qu'est-ce que ça dit si je mets ma bagnole comme ça? Attendez, parce que déjà là, j'en ai des trucs à y vendre. Bonjour, bonjour, ma petite dame. J'ai des knackis à vendre. Ça vous intéresse? Hein? Oh, bah oui, ça l'intéresse. Alors, impeccable. Je vais vendre les roues de secours. Tiens! Prends ça, mon vieux. Allez, Pépé, je vais te débarrasser. Donne-moi ce qu'il y a dans la bagnole. Tiens, ça. Impeccable. Eh ben, mon vieux, 330 balles. Bah, il y en a du bordel sur ton comptoir. Hein. Tiens! Donne-moi ce que tu me dois, mon vieux. Alors. 617 balles. Et bah, c'est impeccable ça. C'est là qu'on va voir si ça cheat ou si ça cheat pas. Donne-moi ça. Là. Hein? Regardez, elle essaye de la fermer sa grille, hein? Ah bah, ça marche pas, hein? Eh bah, ouais, mon vieux. Alors? Hein? Eh bah, c'est impeccable ça. On va y vendre notre vieille roue toute dégueulasse. Et on va monter une neuve à la place. On va prendre ça. Il me dit, bah dis donc, il me dit, tu te fais pas chier, toi, mon vieux. Et qui me dit, il me dit vivement Noirmoutier, mon vieux, que je puisse mettre mon beau maillot de bain que. Tata Janine m'a offert l'été dernier. Ouais, c'est vrai ça, c'est pas faux. Et ben c'est impeccable. Ben on repart avec presque 700 balles et une bagnole toute neuve. Ben c'est plutôt sympatoche ça. Bon moi et Pépé on va aller faire un petit tour à l'hôtel. On va aller dormir un petit peu parce que là on a bien roulé aujourd'hui. En attendant j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et pourquoi pas la partager, ça me ferait plaisir. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde, bye.